Bonsoir à vous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien également. Donc bonsoir à celles et ceux qui sont déjà euh, sur le live et plus précisément sur le chat. Je suis un tout petit peu en retard, on va dire 5 minutes, ce sont les 5 minutes de de préparation. Ok, super. Alors, on va commencer directement, je pense, étant donné que demain je travaille. Donc, dans l'idéal, ce serait bien de finir un petit peu tôt. Et je pense que c'est la même chose pour vous. On est peu à être en week-end le vendredi. Donc, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à vous toutes et tous. Salut Nabolita. Ok, super. Alors bah, comme vous le voyez, on se retrouve pour parler ce soir de Novalis. Alors je précise peut-être euh, maintenant, étant donné que euh, je ne sais pas si j'oublierai ou pas de le faire à la fin de ce live, je pense que ce sera le dernier live pendant un certain temps, peut-être pendant un mois, le temps que je me repose, que je réfléchisse, que j'ai du temps pour préparer également et euh, voilà, que les choses décantent un petit peu, donc j'espère que... Bah que ce live vous plaira, euh, ça ne veut pas dire que je vais disparaître hein, de la circulation non plus, mais voilà, je pense que ce sera peut-être le dernier temps du texte pendant quelques temps, en tout cas c'est sûr qu'on ne se retrouvera pas la semaine prochaine. Donc on va essayer de regarder ensemble de beaux textes, et je pense que c'est ce qu'on va faire étant donné que vous allez voir l'écriture de Novalis est assez splendide. Et ce sont des textes très inspirants. En tout cas, je les trouve très inspirants et j'espère que ça sera euh, aussi votre cas. Alors déjà, peut-être pour commencer, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà lu Novalis, un petit peu, beaucoup, certains qui ne l'ont jamais lu, est-ce qu'il y en a qui n'en ont jamais entendu parler, parce que c'est aussi fort possible, étant donné que Novalis, c'est vraiment un nom qui est connu à partir du moment où on s'intéresse à la littérature germanophone et puis à une littérature un petit peu euh, particulière. Le romantisme allemand, et plus précisément le premier romantisme allemand, avec euh, une, œuvre, euh, enfin, une œuvre assez euh, fragmentaire, fragmentée, particulière, est euh, assez difficile d'accès pour certains textes, ça il faut bien le reconnaître. Alors, effectivement, c'est un très beau nom, mais c'est surtout un pseudo, étant donné que Novalis, ce n'est pas son nom. Euh, Novalis s'appelle en réalité Georg Philipp Friedrich von Anderberg. Euh, vous entendez bien l'allemand, là, je pense, beaucoup plus que dans Novalis, même si on comprend tout à fait qu'il ait choisi euh, ce nom de plume qui est très évocateur et qui est peut-être l'un des plus beaux, je trouve, noms de plume euh, qu'on ait, euh, qu ait pu trouver. Ok. Donc, vous êtes quand même plusieurs à ne pas l'avoir lu. Et je vois que celles et ceux qui l'ont lu sont certains et certaines qui sont plutôt proches de l'Allemagne. Bon, et je pense que je n'échappe pas à la règle non plus, étant donné qu'en fait, euh, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, mais j'ai étudié l'allemand, j'ai suivi deux modules sur la littérature allemande à la fac. Euh, ça, peut-être que vous le savez, mais j'aime beaucoup l'Allemagne. C'est l'un des pays que j'ai le plus visité. Euh, et donc, c'est vrai que. Euh, je dois aussi peut-être venir confirmer cette généralité qui est que quand on parle de Novalis, on a un petit peu un rapport avec l'Allemagne quand même. Alors, je vous ai sélectionné peu de textes ce soir, euh, mais c'est parce que vous allez le voir, je vous ai aussi sélectionné des traductions différentes. Et puis, comme je vous l'ai dit, ce sont des textes assez difficiles et assez denses. Donc j'ai pensé que c'était plus intéressant de pouvoir se pencher dessus avec, euh, avec précision, quoi, tout simplement. Alors, Novalis, oula, pardon, c'était pas du tout ce que je voulais bouger. Hop, ça commence bien. Je voulais me bouger moi, tout simplement. Hop. Novalis, il est né en 1772 et il est mort en 1801. Il est né au château d'Oberwiederstedt euh, et il est mort également en Allemagne. Il a vécu plus ou moins toute sa vie dans euh, cette partie plutôt est de l'Allemagne. Euh, et bien évidemment vous, on a peu de représentations de Novalis étant donné euh, l'époque mais euh, c'est l'un des portraits qui, qui est le plus euh, connu et que vous pouvez retrouver le plus euh, il est né et a vécu du coup dans cette région là de l'Allemagne comme vous pouvez le voir et cette région là ça a été vraiment l'un des centres les plus importants de la culture allemande euh, à son époque et notamment du coup avec la ville d'Iéna. La ville d'Iéna, c'est là que se réunirent plus ou moins, on va dire, les intellectuels, les poètes, mais pas que, qui formèrent le premier cercle, ou le cercle du premier romantisme, qu'on appelle le fruit romantique, donc le, 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 le si vous voulez, le, le, rom, le the early romanticism, donc le, le, bah, oui, on va dire le premier romantisme, même si c'est pas vraiment premier, improprement euh, parlé, en allemand. Alors juste pour vous donner une petite idée... Ça, c'est un peu à quoi ressemble la ville d'Iéna. Euh, donc vous voyez, c'est vraiment ce qu'on pense, ce à quoi on pense quand on pense à l'Allemagne bien classique. Et puis là, vous avez le château dans lequel euh, Novalis est né. Alors petite anecdote sur ce château. En fait, il a été... Euh, il a failli disparaître. Euh... Et ce sont. Le... Enfin, c'est le peuple qui s'est euh, levé, qui a protesté contre la, la destruction de ce château. Et à partir, euh, à partir de ce moment-là, euh, ils ont euh, toutes et tous, en fait, euh, restauré le château, ils l'ont protégé, etc. Et à partir de, enfin, euh, je ne sais plus exactement à partir de quelle année, mais maintenant, c'est vrai qu'on peut, il euh, y, a, y a un centre d'études euh, qui sont centrés autour de Novalis, euh, dans ce château qu'on peut visiter par ailleurs. Alors, donc ça, c'est un petit peu pour contextualiser, vous donner une petite idée. Et puis, on ne peut pas trop contextualiser le romantisme sans... Parler bien évidemment de peinture également donc là je vous ai sélectionné deux tableaux mais j'aurais pu en sélectionner bien plus bien évidemment donc je pense que vous devez peut-être les connaître ou en tout cas que vous devez connaître le peintre qui est Caspar euh, David Friedrich euh, qui est l'un je pense des peintres romantiques les plus connus euh, si vous êtes comme moi vous avez peut-être des souvenirs euh, d'un manuel de littérature avec euh, ce tableau hyper connu que je n'ai pas sélectionné pour ce soir mais euh, qu'on a peut-être toutes et tous je pense déjà vu de cet homme surplombant, surplombant pardon cette mer de nuages moi je me souviens très bien d'un manuel de littérature où il y avait cette euh, cette illustration enfin cette peinture reproduite en grande pages euh, et après effectivement il y avait un groupement de texte justement sur le romantisme voilà et en fait, j'ai choisi ces deux tableaux parce qu'ils s'insèrent un petit peu dans ce qui va être l'un des thèmes principaux des textes qu'on va regarder ensemble, euh, à savoir la nuit. Voilà. Et en effet, même si les couleurs sont assez claires quand même et qu'on voit un, un clair obscur assez doux, on est bien sur des tableaux qui se situent plutôt à des moments nocturnes. Mais oui, le manuel. Mais moi, je, je, me, je le revois très très bien, ce manuel. Je le revois à la salle de classe. Je me revois euh, regarder ce, ce manuel. Et alors un petit peu pour contextualiser aussi ces dates 1772-1801 que euh, Novalis est mort relativement oui enfin très jeune il est mort vers 29 ans euh, c'est une vie très courte et c'est une vie très intense Novalis il s'intéressait à la poésie à la philosophie aux sciences dites dures aux sciences exactes donc il a eu aussi une profession à côté tout à fait euh, séparée de la littérature il a aussi eu des relations Merci vinouchka, c'est très très gentil. Merci beaucoup. Et cette vie très courte, alliée à cette fulgurance, à cette intensité, à cette densité, à cette brillance... Cette brillance Non, ça ne se dit pas du tout brillance en français, non Cette brillance Bon, ça ne se dit peut-être pas, je suis fatiguée. Euh, a fait qu'on l'a souvent comparée à une comète. Voilà, c'est un petit peu une comparaison euh, établie quand on parle de Novalis, mais c'est effectivement parce qu'il y a une forme de... Une forme de de, de génie et puis d'aspect de, de, très lumineux, presque de l'ordre de la révélation, et on va voir que ça a tout son sens d'utiliser ce mot euh, avec ah, brillance. Ok, merci. Euh, associé aussi à une vie très courte, d'où l'image de la comète qui est plus qu'appropriée. Vous pouvez vous en douter. Alors, je vais pas vous faire un exposé sur le romantisme et sur le romantisme allemand parce que c'est très intéressant, très complexe, très dense, et que je ne vraiment ne, je n'y ferai absolument pas honneur. Mais il faut quand même comprendre que le romantisme allemand, c'est comme beaucoup euh, de mouvements, un mouvement euh, littéraire, mais pas que. C'est vraiment un mouvement théorique pour le coup, le romantisme, euh, qui arrive ou qui se produit ou qui émerge à un moment politique et social très très euh, particulier, un petit peu un creuset si vous voulez, et que euh, ça n'est pas anodin, et ça vient au contraire concourir en fait à l'émergence de ce mouvement. Un mouvement qui va ensuite être réactualisé, et puis c'est un mouvement qui se nourrit, comme tous les mouvements aussi, qui se nourrit de ce qui était déjà là, de ce qui était là précédemment, en particulier Goethe, pas bah, Goethe si vous voulez, mais qui va également euh, s'en nourrir et puis s'en détacher. Et effectivement le premier romantisme... C'est un mouvement qui va inclure Goethe pour le début, qui va beaucoup se nourrir des écrits de Goethe, et puis qui après euh, va s'en séparer, va vouloir s'en démarquer. Et les noms les plus importants, bah, c'est bien évidemment Novalis, euh, c'est Schiller, euh, c'est euh, les frères Schlegel qui sont très importants, parce que les frères Schlegel, ce sont aussi eux qui ont fondé la revue euh, L'Athénaum. Alors, comme beaucoup d'autres mouvements, le romantisme allemand en tout cas le premier romantisme, se structure en fait autour d'une revue. Euh, si vous étudiez un petit peu l'histoire littéraire, vous remarquerez que c'est assez souvent le cas quand même. Euh, c'est... alors attendez, normalement je vous ai sélectionné... Pof euh, La première couverture de l'Athénaum, qui euh, est une revue qui a été fondée en 1798, donc je vous disais, par les frères euh, Schlegel. Voilà. Puis il y a aussi Schelling qui est très important. Oui, il y a toujours euh, Jésus. Voilà. Et c'est donc dans, dans cette revue, revue qui est euh, extrêmement importante, revue qui est aussi très intéressante parce que, en fait, c'est. Enfin, je pense que si vous ne vous êtes jamais intéressé au romantisme allemand, ça vaut peut-être le coup parce que euh, c'est vraiment. Euh, un, une façon d'écrire qui est très différente de ce qu'on a pu observer dans le romantisme dit français. Vous allez voir que ça n'a presque rien à voir. Et c'est une littérature qui est aussi très, très différente de ce que nous, on peut lire à l'heure actuelle et de ce qu'on connaîtra au 19e. C'est très, très différent. Et donc, dans cette revue étaient publiés énormément d'aphorismes, énormément de fragments. Et c'est dans cette revue que Novalis fera publier les textes qui vont nous occuper ce soir, à savoir Hymnen and in Art", donc, les hymnes à la nuit. Euh, ils sont publiés en 1800 dans la revue. À la base, Novalis les écrit en vers, puis les retravaille, euh, les transforme en vers libres et donc en prose pour leur publication. Et c'est donc sous cette forme-là que nous, on y a accès. Oui. Voilà. C'est un petit peu, je pense, euh, suffisant pour la contextualisation. Pour ce qui est des œuvres de Novalis. Euh, vous avez peut-être, j'en ai déjà parlé, euh, pu voir ce recueil justement d'aphorismes euh, publié aux éditions Attila qui s'intitule Le monde de <laughs> pardon. Le monde doit être romantisé, qui est donc une citation de Novalis qui est, je pense, l'une des illustrations les plus euh, concrètes et les plus évidentes, en fait, de, des liens entre la philosophie et l'écriture de Novalis, de l'écriture du fragment et euh, de, du caractère profondément théorique et esthétique euh, et métaphysique du romantisme allemand. Ce sont des extraits, enfin des extraits, ce sont des textes parfois très très courts, une ou deux lignes, parfois un peu plus conséquents, quelques paragraphes, et qui sont pour certains fortement compréhensibles et pour d'autres beaucoup plus complexes, voilà. L'autre est celui que vous avez peut-être le, le plus chez vous. Et là, on va en parler. Il s'agit de cette traduction de Novalis. Euh, Les Disciples à Saïs, Hymne à la Nuit et chant Religieux, publié ici par la Poésie Gallimard et traduit par Amel Guern. Alors, vous allez voir que je n'utilise pas cette traduction ce soir avec vous. Euh, en fait, Amel Guern, qui est euh, par ailleurs. Euh... Qui a par ailleurs beaucoup traduit euh, et qui a traduit euh, beaucoup de textes allemands, qui a écrit également sur le romantisme allemand, il est quand même pas mal critiqué depuis quelques années pour ses traductions de Novalis et surtout pour tout le mythe qu'il a euh, participé à créer autour de la figure de Novalis. En fait, on lui reproche d'avoir eu une traduction un peu trop euh, précieuse, un peu trop stylisée, un peu trop latinisée de Novalis. Il euh, n'y a pas de souci Farid et d'avoir aussi euh, Trop séparer nos valises d'une dimension de, son, de sa réflexion et de son écriture plus proche de la terre, plus proche du concret, plus proche de la mise en acte, en fait. Et c'est vrai que quand on lit les introductions, introduc il y a plusieurs introductions il y a une introduction pour Les Disciples à Saïs et Ines à la Nuit et Chants religieux euh, on sent quand même qu'il y a une forme de, Alors, de mythification et de mystification. Alors, on peut penser que Novalis est un petit peu mystique, vous allez le voir, c'est quand même assez euh, compréhensible d'adopter cette analyse-là, mais c'est quand même fortement le cas euh, chez Armel Gern. Et j'ai donc lu trois traductions, et je dois avouer que euh, même si mon niveau en allemand ne me permet pas non plus de juger euh, comme en anglais d'une traduction, et que par ailleurs, même en anglais, ce n'est pas mon métier, j'ai été peut-être la moins convaincue par cette traduction-là. Elle est certes très agréable à la langue mais elle me semble être un petit peu différente du projet initial de Novalis. Voilà. Merci Myriam. Vous êtes vraiment très gentille, mais il faut pas vous sentir obligée. Mais merci beaucoup. C'est très très gentil. C'est pas une édition bilingue en plus, Nabolita. Donc c'est vrai que ça, c'est un regret. Voilà. Après, je ne veux pas vous en dissuader. Et c'est vrai que c'est un petit peu la seule que vous allez trouver facilement. Donc c'est aussi une porte d'entrée euh, dans l'écriture de Novalis. Mais si vous avez l'occasion... En fait, de lire plusieurs traductions, faites-le. Voilà. Alors, on va y aller. On va y aller, on va y aller. Alors, je ne sais pas quelle est cette capture de fenêtre. Alors, attendez. Mmh, 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 ce n'est pas toi que je veux. Pourquoi j'ai pas. Alors attendez, nous avons un problème. Pourquoi il veut pas me mettre ça en capture de fenêtre Oh, attendez, nous avons un petit problème technique qui va être réglé très rapidement, logiquement. Ok, c'est bon. Ok, nous y voilà donc. Hop là et hop là. Donc, normalement, là, vous devriez voir le texte. Alors, moi, sur les trois traductions que j'ai lues, euh, très honnêtement, je recommande, je vais vous le dire tout de suite, euh, pof, je recommande. Celle de Raymond Voya aux éditions Orphée La Différence, qui ne sont, je crois, qui n'est plus disponible que euh, d'occasion. Voilà. Alors, on va lire le texte. On va essayer de regarder un tout petit peu. Je vous ai mis deux traductions pour le coup. Euh, je vous ai mis donc, comme je le disais euh, à l'instant, la traduction. De Raymond Voyat euh, pour euh, le recueil « Hymne à la nuit et quantique spirituels*, qui est publié par Orphée La Différence, qui est une super maison d'édition pour la poésie, je vous la recommande fortement. Et je vous ai aussi euh, sélectionné une traduction par Xavier Marmier qui a été publiée en 1883 dans Nouvelle Revue Germanique et qui est celle qui est disponible gratuitement sur Wikisource. Voilà, et pour être honnête, j'ai préféré même cette traduction-là en fait à la traduction d'Amel Gern dans les éditions de, la, de Gallimard. Mais encore une fois, voilà, ça reste subjectif et euh, peut-être que d'autres personnes germanophones aussi, par ailleurs, auront des avis euh, différents. Voilà, c'est tout à fait possible. Euh, et puis là, vous avez, on va quand même le regarder un petit peu rapidement, vous avez le texte en allemand. Donc voilà, je ne sais pas si certains et certaines d'entre vous lisent l'allemand. Euh. Mais voici un aperçu de ce à quoi ressemble le texte en allemand, de ce à quoi ressemble la langue allemande. Alors je lis très très mal en allemand, donc je ne vais vraiment pas trop m'essayer à la lecture parce que ce serait un carnage. Franchement, je ne sais même pas si je vous tente la première phrase. Welcher lebendige, liebt nicht vor allen Wunder rer des verbreiteten rams um ihn das eiloch fröhliche licht mit seinen farben seinen strahlen und wogen seiner milden Allgegenwart gegenwart als wekender tag als wekender tag vi arrivé voilà un petit peu à quoi ressemble l'allemand lu par quelqu'un qui n'est pas très très euh, forte en allemand n'est-ce pas donc, on va revenir à la traduction française, mais je pense que c'est quand même intéressant d'avoir une idée de ce à quoi ressemble la langue et puis de l'entendre aussi, parce que l'allemand c'est beau en fait, euh, c'est pas tous les clichés qu'on entend sur la langue, loin de là. Alors, c'est pas facile l'allemand, franchement, ce n'est pas facile comme langue, <laughs> vraiment, c'est pas facile. Mais c'est beau. Enfin moi en tout cas, j'aime beaucoup cette langue. Alors, on y va. Les extraits que je vous ai sélectionnés, ce sont donc des extraits de Hymnes à la nuit, comme je vous ai dit, publiés en 1800 dans la revue. Il y en a 10. Il y a 10 hymnes en allemand. Euh, en allemand, peu n'importe quoi, à la nuit, qui sont relativement courts. Et je vous en ai sélectionné deux, dont un qui est partiellement tronqué. Je pense que ça va vous donner envie de lire le reste, en tout cas je l'espère. Quel vivant, doué de sens, n'aime avant tout la lumière, dans les apparitions merveilleuses de l'espace immense qui l'entoure, avec ses couleurs, ses rayons et ses ondes, sa clémente omniprésence lorsque le jour se lève. Les vastes mondes stellaires, dans leur course incessante, l'aspirent tel un principe de vie qui nage en dansant dans son flot azuré. Le minéral étincelant l'absorbe, immuable. Le végétal pensif, nourri de sève. L'animal ardent, indomptable, multiforme. Et enfin, l'étranger magnifique avec ses yeux pensifs, sa démarche flottante. Donc là, vous voyez qu'ils ont pris la peine de, garder, de, de préciser certains mots en allemand qui peuvent avoir une traduction un peu plus ardue et pour justement préciser et indiquer leur choix de traduction. Schwebend. Et ses lèvres mélodieuses, délicatement closes. Lumière souveraine de la nature qui appelle toute force vive à d'innombrables métamorphoses, qui noue et dénoue perpétuellement ses alliances et nimbe de son image, Bild. Céleste, donc de son image céleste, pardon, chaque être sur terre. Sa seule présence révèle la prodigieuse splendeur des règnes du monde. Alors, on va s'arrêter sur ce premier paragraphe, premièrement. Oh, c'est génial, Fanny. Hymne à la nuit, c'est déjà beau, ça, on est bien d'accord. et oui, auch. Alors. On va regarder maintenant le premier paragraphe traduit par euh, du coup j'ai oublié son nom à ce Monsieur Xavier Marmier. Quel mortel, quel être doué de la faculté de sentir, ne préfère pas au jour fatigant la douce lumière de la nuit, avec ses couleurs, ses rayons, ses vagues flottantes qui se répandent partout. Oh, comme alors comme alors l'âme, pardon, avec ce qu'elle a de plus intime, respire cette lumière du monde gigantesque des astres. La pierre aussi la respire, la pierre qui étincelle, Et puis la plante qui ouvre ses pores, Et puis l'animal sauvage Mais avant tout l'étranger avec ses regards ardents, Sa démarche incertaine et ses lèvres tremblantes Car c'est elle qui, semblable à un roi de la nature terrestre, Opère d'innombrables métamorphoses, Nous aidez nous maintes alliance, Et entoure de son image céleste Les choses d'ici bas. Et c'est sa présence qui nous révèle Les merveilles de l'Empire du monde. Alors déjà là juste euh vraiment de manière très subjective, est-ce que vous avez une préférence pour l'une de ces deux euh, traductions ou pas Si vous voulez, je peux juste vous lire d'ailleurs le premier paragraphe de la traduction euh, chez Gallimard. Et vous allez voir la différence. Quel est, doué de sens, l'être vivant qui n'aime pas dans le miracle des apparitions de cet espace immense autour de lui et avant tout la lumière avec ses couleurs, ses rayons et ses ondes, l'apaisement et la douceur de son omniprésence quand elle est le jour qui se lève. C'est elle, ainsi que l'âme intime de la vie, que respire l'univers géant des astres inlassables, et il nage en dansant dans l'azur de ses flots. C'est elle que respire l'étincelante pierre en éternel repos, et la plante méditative qui est toute succion, et le sauvage l'ardent le multiforme animal. Mais plus que tous encore, le magnifique étranger, avec ses yeux pensifs, sa démarche sans poids et ses lèvres mélodieuses délicatement closes. Comme un monarque de la nature ici-bas, elle appelle chaque force à des métamorphoses innombrables, noue et défait sans fin les unions de sa céleste image auréolant chaque être sur la terre, et sa seule présence révèle la magnificence des royaumes de ce monde. Voilà. Oui, on est d'accord. Alors personnellement, je préfère la première à tous les niveaux, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'elle est plus fidèle au texte allemand, de ce que moi je peux en comprendre. J'ai l'impression qu'elle est plus belle aussi, euh, et qu'elle est, somme toute, en fait, euh, à tous les niveaux d'une traduction vraiment euh, de qualité, si je puis, enfin, si je puis me permettre. Euh... Le problème avec la traduction de 1883, c'est qu'il y a quand même des petites imprécisions. Par exemple, on nous parle de la lumière de la nuit. Alors qu'en fait, euh, c'est absent des deux, des deux autres traductions et que justement, en Wallis ne nous parle pas encore de la nuit. Et euh, la traduction, comme vous pouvez l'entendre, euh, de Gallimard est très belle en fait. Hein. Je ne sais pas si vous y avez vraiment prêté attention vu que je lisais qu'il n'y avait pas le texte sous vos yeux, mais la traduction ici est très belle, mais elle est beaucoup plus euh, développée, beaucoup plus alourdie dans un sens et beaucoup plus précieuse. On sent qu'il y a un travail d'étoffement et un travail de réécriture presque en, en, en ajout à la simple traduction. Donc en fait, je pense que ça c'est euh, une très très bonne lecture, mais que si on veut s'intéresser vraiment en fait à l'œuvre de Novalis, c'est bien aussi d'avoir la traduction plus proche qui à mon sens est la première traduction. Voilà. Donc on va quand même se concentrer sur la première traduction. Je vous avais sélectionné la deuxième et je vous ai lu la troisième pour que vous puissiez un petit peu comparer. Mais nous, on va un petit peu se pencher sur la première. Donc dans ce premier paragraphe, vous pouvez voir déjà l'écriture quand même de Novalis. Alors bien évidemment, on est en traduction, hein, mais on ne va pas répéter ça à chaque fois qu'on se... qu parle d'un texte en traduction, sinon on ne va pas s'en sortir. Mm -mm. Oui, je suis d'accord. Alors, on a en fait un premier paragraphe qui, vous l'aurez compris, euh, avec la répétition du substantif, est un est vraiment un paragraphe laudatif adressé à la, à la lumière. D'accord Quel vivant doué de sens n'aime avant tout la lumière dans les apparitions merveilleuses de l'espace immense qui l'entoure. On est dans une écriture qui est vraiment une écriture cosmique, avec cet espace immense, avec ses astres, avec cet univers stellaire, avec cette lumière qui semble tout, tout traverser. Et en fait, l'adoration de cette lumière, qui semble première, qui semble vitale, qui semble nécessaire, c'est aussi le moment ou la raison de l'union, d'une communion du, de tout le vivant, étant donné que chaque élément, du vivant, absorbe et euh, salue cette lumière. Voilà. On a les vastes mondes stellaires qui absorbent et qui l'aspirent à un principe de vie et qui n'existent que dans cette lumière. On a vraiment presque l'impression d'avoir, euh, comment ça s'appelle Le liquide amniotique Je crois que c'est ça. On a l'impression là que la lumière est comme un liquide amniotique dans lequel le monde flotte. Corrigez-moi si ce n'est pas liquide amniotique, parce que clairement, ça, ce n'est pas mon domaine d'expertise. Et puis après, on nous dit que le minéral l'absorbe, que le végétal s'en nourrit, que l'animal également, et que enfin, l'étranger magnifique. Et là, c'est un petit peu étrange. Quel est donc cet étranger magnifique qui, d'un coup, apparaît Pourquoi un étranger Pourquoi est-il magnifique Avec ses yeux pensifs, sa démarche flottante et ses lèvres mélodieuses, délicatement closes. Ensuite, on a un adjectif qui est quand même assez univoque, lumière souveraine de la nature. Et on a ensuite le complément du nom de la nature. Et là, c'est hyper important, et je vais m'arrêter 30 secondes là-dessus. C'est que le romantisme allemand, c'est peut-être le mouvement qui a le plus mis en avant la nature et l'importance de la nature et l'importance de l'osmose, de l'harmonie, de l'union avec la, la nature, mais aussi de l'action de la nature sur nous, humains, sur le vivant. Les, la, fin, j'ai presque envie de dire ce va-et-vient, cette réciprocité en fait entre la nature en tant que que cette globalité, cette généralité, et puis celles et ceux qui sont compris et comprises dans cette nature, et notamment nous. En fait, la, le romantisme allemand est très proche de la nature philosophie, qui est euh... alors une réflexion, certes. C'est un petit peu évident en, en, quand on entend le mot nature-philosophie. Alors en français, on le traduirait sans doute par philosophie de la nature, mais c'est un petit peu plus complexe. Et euh, si ça vous intéresse, je vous invite vraiment, je crois que j'en avais déjà parlé dans un live, je ne sais plus, je vous invite vraiment à vous renseigner sur la question. Il y a vraiment une sens, enfin, pour moi, le romantisme allemand et euh, tout ce qui s'y rapproche, et le rapport à la nature et le rapport au monde qui nous entoure, c'est un renouveau, c'est vraiment quelque chose de. De très très inspirant, c'est profondément métaphysique, bien évidemment. Et euh, si vous vous sentez un petit peu, et c'est aussi pour ça que j'ai voulu choisir Novalis, j'espère que vous allez le sentir. Si vous vous sentez un petit peu déprimé, si vous avez l'impression qu'on est dans un monde qui manque justement de poésie, si vous avez l'impression qu'on est dans un monde qui doit être romantisé, euh, lisez les romanticalement, lisez les fragments de Novalis, et vous allez voir que euh, c'est euh, un souffle nouveau. Enfin, en tout cas, moi je le, je le perçois comme ça. Donc lumière souveraine de la nature qui appelle toute force vive à d'innombrables métamorphoses, qui noue et dénoue perpétuellement ses alliances et nimbe de son image céleste chaque être sur terre. Encore une fois nous aussi on est entouré de cette lumière, sa seule présence révèle la, pro la prodigieuse splendeur des règnes du monde. Et là, ce qu'on voit, c'est deux éléments qui sont également très importants dans la pensée de Novalis et dans la pensée du romantisme. Je ne vais pas me répéter à chaque fois, mais globalement, la pensée de Novalis, on peut l'étendre à la pensée romantique, hein, enfin, en tout cas romantique allemande. L'importance des métamorphoses. En fait, il y a cette idée que la vie, c'est un, euh, un flux et un flot de métamorphoses, euh, de transformations, de mutations, et qu'on est dans une quête. Spirituel, émotionnel, physique, euh, intellectuel, poétique, artistique, en fait, à tous les niveaux esthétiques, qui nous amène à devenir de plus en plus, euh, en tout cas, qui nous amène à devenir meilleurs, pour la faire courte. Est-ce que ça inclut le fameux Sturm und Drang plus, tourment... und Drang plus tourmenté J'adorais les textes de cette période. Alors, c'est un petit peu différent quand même. En tout cas, disons que, euh, bien évidemment, c'est quand même allié au romantisme, mais c'est assez euh, différent du romantisme de Novalis. Et euh, on est plutôt là dans quelque chose. Dites, corrigez-moi d'ailleurs si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'on est dans quelque chose d'un petit peu à nos Je peux me tromper par contre là, mais c'est c'est allié au romantisme parce que c'est alors c'est plus proche quand même du romantisme français dans un sens. C'est allié au romantisme étant donné que c'est une forme de d'exaltation des sentiments, de l'individualité, du rapport à l'extérieur et de la connaissance de soi même si du coup elle est très tourmentée euh, par les sentiments. Mais c'est très différent de la posture philosophique euh, de Novalis, c'est plus à rapprocher de Goethe justement, je pense. Oui, voilà, on est bien d'accord. C'est jusqu'en 1780, c'est du proto romantisme Oui, moi je le rapprocherai plutôt de Goethe quand même. Euh, je pense que Novalis se dégage vraiment, et c'est justement en fait là aussi qu'il y a une différence entre ce qui est avant le premier romantisme euh, et justement tous les noms de ce premier romantisme il y a une volonté claire en fait de se tourner vers un idéal et de proposer en fait un nouveau système c'est vraiment très proche de la philo euh, de proposer voilà un nouveau système théorique et esthétique métaphysique et éthique j'ai envie de dire euh, et de ce en fait c'est la quête d'un âge d'or vous savez le, le romantisme c'est vraiment justement cette quête d'un âge d'or alors c'est marrant parce que enfin c'est marrant Bon, moi j'adore, hein. bon, je pense que ça se voit peut-être, mais je, je suis fascinée par, euh, par ça. Mais c'est une quête qui est à la fois tournée vers le passé, parce que l'âge d'or en fait, pardon, c'est pas une idée euh, nouvelle, c'est pas une idée euh, novatrice. L'âge d'or, on, 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 on puise l'image et les références à un âge d'or dans ce qui nous est antérieur, notamment dans tout ce qui est antique, euh, mais c'est aussi une projection vers l'avenir. Voilà. D'ailleurs, Novalis apparemment était quand même assez optimiste et disait qu'on euh, se rapprochait d'un âge d'or. Voilà, voilà. <laughs> je ne suis pas sûre qu'il est vu juste sur ça, mais bon. En tout cas, c'était sa conviction. Donc ce qui est important justement, comme je vous disais, c'est ses métamorphoses. Et d'ailleurs, par contre, là, je me permets, je vais essayer de le retrouver. Euh... Ah parce que à ce sujet euh, je crois que Amel Gern avait écrit quelque chose de très beau Je crois sur ça Ah je vais y arriver Voilà ça je, je trouve que c'est extrêmement beau quand même Combien de naissances avons nous refusé à notre vie en prétendant la garder comme nôtre au lieu de la suivre tout simplement? Voilà, ça c'est beau, je trouve. C'est vraiment très très beau. Et on va en reparler un tout petit peu, mais euh, ça sera plus présent avec le l'hymne le, le... numéro 3, pardon, je vais y arriver. Cette, ces mutations-là comprennent aussi la mort. Vous allez, on va en reparler. Ça, c'est important. Merci beaucoup, Karine. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup très très gentil et j'espère que le replay te plaira et donc la dernière chose c'est le c'est de s'intéresser se, de au sens qui est quand même fortement euh, mobilisé et investi par euh, je vais dire nabokov n'importe quoi moi, par novalis la vue je ne sais pas si vous avez remarqué quand même, mais la, les mentions à la lumière euh, nous amènent quand même assez logiquement à penser à la vue. Et ça se confirme dans la fin de ce premier paragraphe. Sa seule présence révèle la prodigieuse splendeur pardon, des reines du monde. C'est une révélation qui est aussi visuelle. Euh, et dans le monde doit être romantisé, justement. Je ne sais pas si je vous l'ai écrit. Je ne crois pas. Donc je vais vous le lire. Issu de ce petit euh, livre. Novalis nous écrit ⁇ L'œil est l'organe d'expression du sentiment. Les objets visibles sont les expressions des sentiments. La vue et l'œil, c'est très important pour Novalis. C'est très très important. ⁇ Chemsi ou Chemsi, je suis désolée si je prononce mal, on se retrouve juste euh, de temps en temps, pour le moment le rythme est un petit peu incertain, on va dire, euh, pour parler d'un texte ou d'une thématique en particulier, et c'est donc le temps du texte, parce qu'on met vraiment à l'honneur le texte, et pas euh, des livres en général ou euh, un mouvement ou un auteur. Voilà. Alors, on va passer au deuxième paragraphe. Vous allez le voir, là on rentre dans notre thème principal. Mais, j'en suis ici. Mais je me tourne vers la sainte, l'ineffable, la mystérieuse nuit. Le monde gît au loin, abîmé dans un caveau profond, en un lieu solitaire et désolé. Une profonde mélancolie enserre ma poitrine. Je veux ruisseler tout en bas en larmes de rosée et me confondre à la cendre. Loin de mon souvenir, les désirs d'adolescence, les rêves d'enfance, les joies fugitives et les vaines espérances de toute une vie arrivent vêtus de gris. Semblable aux brumes vespérales du jour déclinant. Et je vous demande, n'est-ce pas magnifique C'est absolument splendide. Et on observe donc, avec ce deuxième paragraphe, je pense que vous l'aurez compris, une rupture. On est dans un premier paragraphe qui est en train de louer, de sanctifier la lumière. Et le deuxième paragraphe, qui commence par mais, mais moi, mais je me tourne vers la nuit on se tourne vers la nuit. Le poète se tourne vers la nuit. Et la nuit, c'est tout. En fait, la nuit, c'est un écrin fécond et rassurant, reposant, serein. La nuit, c'est aussi très souvent, dans beaucoup de récits un petit peu premiers, ce qui arrive. Ce qui est créé en premier. Par exemple, j'ai noté dans la théogonie des iodes, on peut lire en tout premier chaos naki. Du chaos sortir les rebs et la nuit obscure. Alors les rebs, c'est l'une des, des sous-divisions, enfin l'un des lieux des enfers. Et c'est à travers cette nuit que jaillit la lumière. Et ça, vous le retrouvez même par exemple dans, dans la mythologie égyptienne. Premièrement, il n'y a rien, il y a le noir. Enfin, il n'y a rien. Il n'y a pas rien, pardon. Il y a la nuit. Il y a l'obscurité. Et puis, il y a un lotus qui s'ouvre. Et il y a la lumière. Et en fait, cette lumière qui jaillit à travers la nuit, elle trouve son origine dans la nuit. Et la lumière, ici, on peut imaginer que c'est à mettre en parallèle avec la parole, avec la parole poétique. Et si on accepte que donc cette parole poétique est à mettre en parallèle avec cette lumière, la parole poétique trouve elle aussi sa source, son origine dans la nuit. Elle vit, elle se crée, elle grandit, elle aussi dans la nuit. Oui, Annabeth. Et effectivement, il y a quand même l'utilisation de termes qui sont extrêmement évocateurs. Alors en allemand, la sainte, l'ineffable, la mystérieuse, euh, vous avez Heiligen, qui est donc la sainte, Unnausprechlichen, qui est l'indicible, ineffable, et geheimnisvollen » qui est donc mystérieux. Là, on a une traduction qui est relativement euh, euh, linéaire, quoi, qui est droite. Il n'y a pas beaucoup de, de torsions possibles. Et de fait, la nuit, c'est quand même un élément euh, qu'on retrouve très souvent en poésie. Et alors là, il est venu pour moi le temps de vous expliquer un petit peu la genèse, on va dire, de ces hymnes à la nuit, et de cette importance de la nuit. Novalis, alors ça c'est un petit peu moins sympa, on va dire, Novalis a connu euh, l'amour et il a été... Euh, il est tombé sous le charme d'une très jeune fille, voilà, quand lui était quand même plus âgé ce qui apparemment se faisait quand même à l'époque, disons qu'on réservait les jeunes filles euh, vers 12-13 ans pour leur mariage euh, quelques années plus tard. Voilà. Et donc Novalis est tombé très amoureux apparemment et cette jeune fille, cette jeune oui cette jeune fille, du coup pas cette jeune femme, cette jeune fille est morte. Voilà. Novalis a côtoyé la mort en fait toute sa vie et euh, il est mort en plus très 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 jeune et il est mort malade, etc. Et il y a beaucoup de, de réflexions qui ont été menées sur sa mort aussi. D'ailleurs, Hegel, par exemple, a dit que, globalement, pour vous la faire courte et simple, si vous voulez, que... Euh alors, c'est un petit peu peut-être euh, à la limite de la psychanalyse, j'ai envie de dire, mais euh, pour lui, Novalis serait aussi mort parce qu'il avait toujours été porteur de cette maladie, bien évidemment euh, physique, mais que c'était aussi psychosomatique. Et que c'était justement parce qu'il avait cette tension en lui de tendre vers l'idéal dans un monde qui en était loin. Et que cette tension permanente, cette euh, ce point, en fait, vraiment de, 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 de contact assez douloureux entre le réel et puis cette aspiration à l'idéal, ça l'avait rendu malade et que ça l'avait aussi fait mourir. Bref. Bon, tout ça pour vous dire que, à la mort de cette jeune fille, il est absolument désespéré. Et puis, quelques temps plus tard, il lit Shakespeare. C'est, je crois, les frères Schlegel qui lui envoient euh, Shakespeare traduit en anglais et il lit... Euh, traduit en allemand, pardon. Et il lit Roméo et Juliette. Et dans Roméo et Juliette, il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses qui indiquent aussi que ce n'est pas vraiment une histoire d'amour. Mais il y a quand même d'autres choses qui, euh, bon, sont une célébration du langage, sont une célébration de la transgression, sont une célébration de la nuit. Et vous allez voir qu'on retrouve l'un des éléments ou l'une des façons de désigner la nuit euh, qu'il y a dans Roméo et Juliette. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que c'est lors d'une nuit, justement, que Novalis a la révélation. En fait, Novalis se, tient, euh, se, se trouve au cimetière et une nuit, il voit le spectre, on peut dire un petit peu, de Sophie, donc de la femme qu'il a aimé, enfin de la jeune fille qu'il a aimée, pardon, vers la tombe. Et là, c'est la révélation incroyable en fait pour Novalis. C'est un petit peu un nouveau, enfin c'est un point euh, de contact entre le monde des morts et le monde des vivants euh, qui s'ouvre. C'est énormément de choses en fait, spirituellement, euh, poétiquement, c'est énorme. Et c'est à partir de là qu'il écrit donc les hymnes à la nuit. Et donc il y a un hymne dans lequel il retrace toute cette nuit là. Très très beau, vraiment. Je vous encourage, de, je vous encourage à lire ces hymnes. Bref. Mais tout ça, ça se produit aussi après avoir lu Roméo et Juliette. Roméo et Juliette, si vous l'avez lu, je ne sais pas si vous l'avez un petit peu en tête, mais il y a beaucoup de choses importantes de l'intrigue qui se passe durant la nuit. Ben oui, forcément, vu qu'on n'a pas le droit de se retrouver et qu'on ne peut rien faire en plein jour, on, on est obligé de le faire durant la nuit. C'est ça la nuit. C'est le moment où on peut faire ce qui nous est défendu. C'est euh, ce que c'est le c'est l'espace de liberté en fait. C'est l'espace poétique par excellence, la nuit. Bref. Donc, de cette nuit incroyable où il a cette vision spectrale, naît la poésie. Mais en fait, cette nuit de révélation n'aurait pas pu être vraisemblablement sans la poésie en amont. Et c'est ça dont je vous parlais quand je vous parlais de ce va-et-vient qui est vraiment, je trouve, inhérent au romantisme. C'est qu'on est bien en peine de déterminer qui était là en premier. Il y a ce rapport incessant, cet échange incessant entre ces différents éléments. La poésie nourrit la vie et la vie nourrit la poésie. La vie ressemble à la poésie, la poésie ressemble à la vie, la vie devient la poésie, la poésie devient la vie. Et la poésie devient donc l'absolu. Et ça c'était l'un des éléments fondateurs quand même et cruciaux du romantisme. La poésie comme absolu, la poésie comme morale, la poésie comme éthique. On va continuer. Quel est ce pressentiment qui vient sourdre du cœur, éteignant le souffle languissant de la mélancolie Ah, sombre nuit, sombre nuit, pardon. As-tu toi aussi quelque bienveillance pour nous Une pers euh, personnification de la nuit Il vient rendre beaucoup plus explicite. Oui, je veux russioler tout en bas. Vrai, mais c'est super beau, c'est hein, est super beau. Là, on vient, en personnifiant la nuit, nous montrer que ce n'est pas... Un moment, ni un lieu, ni un moment-lieu inquiétant. Que caches-tu là sous ton manteau, qui monte en mon âme invisible et puissant C'est là ce qu'on peut retrouver aussi chez Shakespeare. C'est le manteau de la nuit. C'est très beau. Enfin, moi, je trouve que c'est très très beau. C'est ces images entendues, mais qui en fait ne sont non, ce n'est pas. C'est justement ce qui fait que ce ne sont pas des images entendues. Ce sont les ce sont les images parfaites qui font sens, je trouve. Un baume suave s'égoutte de la gerbe des pavots que tu tiens dans la main. Tu relèves du cœur les ailes appesanties et une émotion indicible s'insinue. Je tressaille de joie. Voici un visage grave, tout empreint de douceur et de recueillement, qui se penche vers moi et me montre, sous ses boucles infiniment, entremê infiniment entremêlées, l'aimable jeunesse d'une mère. Alors là, c'est hyper intéressant, parce que vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai parlé de la vision qui était très importante. Bon, bah là, on y est encore en plein dedans. Hein. Tout passe par la vision. Et cette personnification de la nuit s'accomplit vraiment de façon extrêmement concrète, puisqu'on a un, visa, un visage qui apparaît, qui se penche vers nous, un visage qui se fait voir et qui nous observe. Donc vraiment la vision, encore une fois, vous voyez, il y a ce, ce va-et-vient ou cette réciprocité dans l'action. Et bien évidemment, on ne peut pas s'empêcher aussi d'imaginer que cette, ce visage, c'est la nuit, mais ce visage, c'est aussi potentiellement Sophie, en tout cas la, la jeune fille qui l'a perdue. Et donc, une fois qu'on a compris ça de la nuit, qu'on a fait cette expérience de la nuit, bien évidemment la lumière du jour paraît quelque peu décevante. Combien la lumière me paraît alors niaise, indigente, et combien l'heureux ad... et combien heureux l'a béni du jour. Quoi, ce n'était donc que cela? De craindre que la nuit de détournât de toi ce qui te sert, tu parsemas les espaces sidéraux de sphères lumineuses censées proclamer ta puissance, et ton retour, durant le temps de ton éloignement, mais les yeux infinis que la nuit ouvre en nous, et écoutez bien ça, pardon, mais les yeux infinis que la nuit ouvre en nous, paraissent plus célestes que ces étoiles scintillantes, et leurs regards portent plus loin, par-delà les cohortes extrêmes du firmament, nul besoin du jour pour sonder les profondeurs d'un cœur aimant, dit à Annestley Bundengemutz, et combler d'ineffables voluptés un, espresse, un espace privilégié. Célébrons donc la reine universelle, annonciatrice des mondes sacrés, sauvegarde de l'amour bienheureux. C'est elle qui t'envoie à moi, tendre amante, aimable soleil de la nuit, zone d'Ernart. À présent, je veille, car je suis tien et mien. Tu m'as révélé la nuit à la vie. Tu m'as fait devenir homme. Que ton feu spirituel consume ma chair, l'aïbe, afin que je m'unisse plus intimement à toi en effluve subtil et que dure éternellement notre nuit. Nuptial, n'est-ce pas magnifique Donc bon, vous voyez à quel point c'est beau, à quel point c'est à la fois sensuel et à la fois et à quel point c'est extrêmement euh, spirituel, voire mystique, voire ça emprunte à quand même des images, une façon d'écrire très très religieuse. Je ne sais pas si vous aussi, vous avez un lien qui s'est créé dans votre esprit, mais moi, ça m'a tout de suite fait penser à quelque chose. Un grand moment, on va dire, de la vie euh, d'un grand intellectuel. Mm -mm -mm. C'est une nuit de révélation. C'est donc profondément mystique. Et il y a eu une autre, enfin il y en a eu plusieurs, mais il y a eu une autre nuit de révélation qui est très importante et qui, moi, m'a... Je ne sais pas pourquoi, mais dès qu'on m'en a parlé quand j'étais au lycée, ça m'a marqué, je n'ai jamais oublié. Peut-être que vous allez voir à qui je fais référence. Mais donc, là, quand même, voyez à quel point c'est beau les yeux infinis que la nuit ouvre en nous. Il y a une multiplication, en fait, des yeux, il y a une multiplication de, des... Des portes de vision, si on, si on peut un petit peu changer de terme avec les yeux. Et vous voyez que l'objectif, c'est quand même nul besoin du jour pour sonder les profondeurs d'un cœur aimant. C'est quand même toujours un retour vers l'émotion, vers l'intériorité, vers la connaissance de soi. Alors, du coup, je. Je vois que je suis seule à être... Enfin, seule. Peut-être pas seule, mais... Attendez, je vais boire un petit peu en... Mmh. Ouais. En fait, en, en préparant ce... En préparant ce temps du texte, je me suis dit que j'avais fait tout un podcast sur la sur la lune et qu'en fait j'aurais dû faire un podcast sur la nuit aussi sur la perception. Oui Laurent, on est d'accord. Pascal et la nuit de feu. Bon pour le coup si ça vous dit rien c'est normal, enfin c'est pas c'est un petit peu normal parce que c'est quand même on va dire éloigné de la littérature plus ou moins. Mais moi je ne sais pas pourquoi cette histoire m'avait marqué. Donc en... la nuit du 23 novembre. 1654, je suis toujours obligée de regarder parce que les dates c'est vraiment difficile pour moi, c'est la nuit de feu de Pascal. Alors, c'est quoi la nuit de feu de Pascal Durant cette nuit, Pascal a apparemment la révélation et il y a donc la conversion au Christ. Et donc, durant cette nuit, Pascal écrit, euh, totalement inspiré, transcendé, possédé, alors sans mauvais jeu de mots, pas possédé par le, par le diable, hein, mais, ni le vilain, mais possédé par l'esprit du Christ, on va dire, il écrit un petit manuscrit qui est une profession de foi euh, personnelle, on peut dire, qu'il va ensuite recopier, qu'il va coudre à l'intérieur de sa veste et qu'il va garder toute sa vie comme ça collé sur son cœur. Franchement, est-ce que c'est pas sublime ça aussi Et il va garder le secret là-dessus. Personne ne le saura. En fait, et à sa mort, bah je ne sais plus qui de sa famille, bref, va découvrir le premier. Euh le premier mani enfin, le premier on appelle ça le mémorial le premier texte ainsi que la copie qui en a été faite par Pascal et les deux ont quelques différences voilà donc je vous ai sélectionné quand même, vous allez voir c'est assez loin mais en fait il y a quand même je trouve des, des liens assez forts euh, je vous ai sélectionné alors pas le premier mais euh, la copie que Pascal en a faite ou en tout cas euh, ce, qui, ce qui nous en a été transmis et c'est ici. Bon, vous allez voir, c'est différent. Hein. C'est pas de la poésie, mais. Euh... Est-ce que le fait qu'il qualifie le jour de décevant ne montre pas en fait qu'il attendait. En fait, qu'il l'attendait, que la nuit n'a de sens que parce qu'elle a une fin et qu'elle aboutit sur une naissance. Et qu'on passe justement la nuit à idéaliser cette naissance. Et du coup, à la fin du paragraphe, lorsqu'il accepte et qu'il souhaite que la nuit dure éternellement. J'attends le 3-3 avant de passer à Pascal. Alors, déjà pour répondre un tout petit peu, il ne pas son espoir qu'il fasse son deuil de son idéal. Alors, je ne pense pas. Je, alors, je ne suis pas du tout spécialiste hein, non plus, donc euh, voilà, tout prendre avec un, un certain recul. Je ne pense pas qu'il y ait l'envie de faire le deuil d'un idéal chez Novalis. Au contraire. Mais, euh, par contre, le jour, il y a deux. Il euh, y a deux façons de concevoir le jour, quand même. Et euh, ça vaut pour le mot allemand et pour le mot. Euh, c'est-à-dire que le jour, c'est à la fois le moment euh, diurne, n'est-ce pas, le moment où on a cette lumière, mais c'est aussi les 24 heures. Donc c'est ça comprend également la nuit. Euh, et je pense qu'il y a aussi un... Il faut aussi garder ça en tête, c'est que Novalis a bien conscience que la nuit n'existe que dans ce jour, dans ce tag, qui est quand même euh, le jour qui comprend la nuit. Voilà. Par contre, est-ce qu'il y a vraiment en fait euh, la nécessité d'avoir ce moment de lumière Je ne sais pas. Peut-être pour le minéral, peut-être pour le végétal, peut-être pour l'étranger, etc. Peut-être pour tout le reste du monde, n'est-ce pas euh, Que Novalis ne veut absolument, ne méprise pas en fait. Euh, Novalis, c'était aussi un philosophe, euh, un poète qui avait une vie euh, bien euh, concrète, bien matérielle, bien établie. Donc bien sûr qu'il il sait et il comprend que le jour reviendra et que ça nourrit aussi la nuit. Euh, mais je pense que c'est pas si, et enfin, entre guillemets, si évident que ça non plus. Alors, l'an de grâce 1604, 1654, y lundi 23 novembre, jour de Saint Clément, Pape et M et autres au martyrologe romain, veille de Saint chrysogone M et autres, etc. Depuis environ 10h et demie du soir jusqu'à environ minuit et demie, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, non des philosophes et savants. Ça c'est intéressant aussi. Certitude, joie, certitude, sentiment, vue, joie, Dieu de Jésus-Christ. Hum. Franchement, moi je trouve qu'il y a quand même des liens. Deum meum et deum westrum. Ton Dieu sera mon Dieu. Ruth. Ruth. Oublie du monde et de tout, hormis Dieu. Il ne se trouve que par les voies enseignées dans l'Évangile, grandeur de l'âme humaine. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais je t'ai connu. Joie, joie, joie et pleurs de joie. Je m'en suis séparé. De me fontem, donc euh, ils m'ont abandonné, moi la source. Mon Dieu, me quitterez-vous, que je n'en sois pas séparé éternellement. Cette est la vie éternelle qu'ils te connaissent, seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, Jésus-Christ, je les fuis, renoncé, crucifié, je m'en suis séparé, que je n'en sois jamais séparé. Il ne se conserve que par les voies enseignées dans l'Évangile, renonciation totale et douce, soumission totale à Jésus-Christ et à mon directeur, éternellement en joie pour un jour d'exercice sur la terre, non obli car sermones tuos, amen. Que je n'oublie pas tes paroles, quelque chose comme ça je pense. Donc, vous voyez qu'on est quand même, alors bien évidemment, c'est différent. Hein, euh, on n'est pas du tout dans une, prose poé enfin, dans une prose poétique. On est dans quelque chose de beaucoup plus. Euh crypté, euh, de beaucoup plus religieux vraiment au sens euh, citation de texte, euh, référence à des institutions et à des euh, éminences religieuses, etc. Mais je trouve qu'il y a quand même certaines similitudes. Alors ne serait-ce que par le fait que c'est cette nuit de révélation, ne serait-ce que par le fait qu'on doit passer par l'écrit quand même pour justement ancrer en quelque sorte euh, cette révélation et cette, euh, cette nouvelles porte de perception, n'est-ce pas Et puis les joies, les joies, la vue. Euh, je, je trouve quand même qu'il y, y, y a des points communs. Euh... Et puis ça aussi, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nom des philosophes et savants. Euh, il y a une volonté aussi dans le romantisme euh, de revaloriser quelque chose de beaucoup plus archaïque, de beaucoup plus primitif, un petit peu comme euh, bah les, les récits premiers, les récits fondateurs antiques. De s'éloigner un petit peu d'une forme de matérialisme euh, qui serait... Euh, dépourvu de spiritualité. Donc, je pense qu'il y a quand même des choses à, à mettre en lien. Alors, par contre, du coup, Kylian, je t'avoue que je n'en sais rien. Je pense qu'il est possible de trouver euh, la réponse. Je n'ai pas recherché plus que ça, j'avoue. Mais je pense que ça doit pouvoir se trouver. J'imagine que oui, mais euh... mais je peux pas l'affirmer non plus. Oui, j'ai l'impression que c'est quand même assez proche, mais après, bon, ce n'est que mon avis. Hein. Voilà. Donc, je vous propose de passer à l'hymne numéro 3 que je trouve très très beau personnellement. Hop. Êtes-vous prêt Êtes-vous prête du coup pour cet hymne numéro 3 on va essayer de rester sur 1h30 de live, donc. Alors, c'est parti. Un jour, je me tenais solitaire, anéantie de douleur, au tertre dénudé qui renfermait dans cet espace étroit et sombre la figure de ma vie, dit Gestalt Meines Lebens. Je versais des larmes amères, mon espérance s'écroulait, et j'étais seule, seul comme nul jamais ne le fut, oppressée par une indicible angoisse von unsegelischer angst getrieben sans force kraftlos réduit à la détresse et lent. comme je regardais alentour qu'étant du secours incapable d'avancer ou de reculer attaché par une nostalgie zenzurt », infini à la vie évanescente et enfuie venu des bleus lointains des hauts de mon ancienne félicité un frisson de crépuscule me saisit le lien de naissance entrave de lumière vraiment intéressant se rompit d'un seul coup vous voyez, quand je vous parlais tout à de liquide amniotique, on n'est quand même pas si loin. Enfin, il y a, il y a aussi cette idée de, de naissance, de renaissance. Et là, la renaissance, elle se fait où Elle se fait au contact de la mort, comme je vous disais tout à, tout à l'heure. La magnificence terrestre s'enfuit, emportant mon affliction. Les flots de mélancolie, Vemout, confluèrent dans un monde nouveau, insondable. C'est ainsi que tu me subjugas, toi, enthousiasme nocturne, Nartbegeisterung, endormissement du ciel. Le site se souleva doucement et mon esprit flottait. Mais vous voyez, on est vraiment dans une expérience, euh, une expérience vraiment euh, presque surnaturelle, quoi. Et mon esprit flottait, je fais au-dessus de lui, délié, né à nouveau. Le tertre funéraire devint nuage de poussière. À travers le poudroiement, je vis les traits transfigurés de la bien-aimée. La révélation. Qui n'arrive quand même que, du coup, je, enfin, vous voyez, dans l'hymne numéro 3. Donc, on a deux premiers hymnes où on ne nous explique pas la genèse de ces textes qu'on est en train de lire. L'éternité reposait dans ses yeux. Je lui pris les mains et nos larmes formèrent un lien étincelant, indissoluble. Est-ce que ce n'est pas magnifique Je vous le répète, je suis désolée, mais je suis obligée. Et alors là, des millénaires passèrent au loin, s'éloignant comme des orages. Franchement, c'est magnifique quand même. C'est, euh... c'est, bon, je ne vais pas aller jusqu'à, parce que je m'emballe des fois, mais je pense que c'est presque inégalé pour moi hein, en termes de, euh... ouais, non, c'est magnifique. À son coup, je versais des larmes d'extase devant cette vie nouvelle. Vous vous souvenez, Pascal Joie, 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 larmes de joie ou pleurs de joie. Ce fut le premier, l'unique rêve. Et c'est depuis lors que j'éprouve une foi éternelle, inébranlable en le ciel de la nuit et sa lumière, la bien-aimée. C'est beau, hein C'est super beau. Et alors, là je vais extrapoler un petit peu. Donc franchement là, entre guillemets, ce n'est que mon avis, d'accord Bon, je ne suis peut-être pas je ne suis pas la seule à l'avoir quand même, mais je vous l'ai déjà dit, je crois, euh, de multiples reprises, pour moi, le surréalisme est très très proche du romantisme et du romantisme allemand. Même si si vous allez dans les cahiers de notation des surréalistes, Novalis est très mal noté d'ailleurs. Mais bon, bref. Pourquoi est-ce que je vous dis que c'est extrêmement proche Parce que... Il y a une filiation assez évidente, je trouve. C'est-à-dire que le romantisme, comme je vous l'ai dit, c'est une proposition en fait de mise en pratique de la poésie le monde doit être romantisé mais c'est vraiment ça ça aurait pu être dit par euh, par breton ça aurait pu être dit par un surréaliste alors eux auraient dit sans doute le monde doit être poétisé mais il y a une volonté en fait de de, de montrer à quel point la poésie c'est la vie c'est-à-dire que la poésie c'est une façon d'être c'est pas une façon forcément d'écrire c'est pas un genre littéraire la poésie c'est une façon d'être au monde c'est vraiment ça. Et c'est ça pour les romantiques allemands et c'est ça pour les surréalistes. Mais profondément, mais vraiment. Et il y a une filiation, en fait, qui passe, qui se transforme un petit peu. Il y a une modulation, si vous voulez. Pour les romantiques allemands, c'est la nuit. Pour les surréalistes, c'est le rêve. Voilà. Il y a quelques, quelques siècles qui passent, quelques années qui passent, quelques auteurs qui passent, quelques textes qui passent. Il y a Nerval qui arrive, il y a Baudelaire, etc. Et on passe de la nuit au rêve. Mais les surréalistes gardent le rêve. Le rêve, c'est essentiel en fait pour les surréalistes. La poésie, poétiser le monde. Poésie comme absolu, poésie comme action, poésie comme manière d'être. Le rêve, la fusion en fait entre des univers. Le lien est évident. Et en fait, je trouve que euh, c'est ce que j'allais dire, Kylian. Quand même, on devrait lire davantage le romantisme allemand parce que ça inonde. En fait, de manière très très subtile et presque indiscernable ind parfois, je vais y arriver, tout ce qui s'est fait après. Pour moi. Vraiment. Mais vraiment profondément, je, personnellement, c'est ma conviction profonde, voilà, vous avez le, vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais je trouve qu'il y a. Euh, il y a eu, bah, en fait, voilà, cette nuit de révélation qu'a eu Novalis. C'est, euh, on peut presque étendre, vous savez, même la théorie de l'âge d'or. Après, c'est aussi euh, même les âges de l'humain, voyez. Euh, mais oui, totalement, Kilian. En fait, vous savez que on, la littérature comparée part aussi normalement de Weltliteratur, qui est un terme qui a été euh, créé par Goethe, qui est euh, la. Les, 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 la littérature-monde, si vous voulez. Et on, après, on évolue un petit peu. Et en fait, c'est la littérature comparée, quoi. On est d'accord, Lou. Merci, Lila. Merci beaucoup. C'est très, très, très gentil. Merci à toi, vraiment. Donc, je vous disais, cette nuit de révélation, la Cahun Ovalis, bah, en fait, à une échelle, si on dépasse donc l'échelle de l'individu et qu'on se replace dans l'échelle de la, la littérature, si vous voulez... Ben, les textes de Novalis, c'est un petit peu la nuit, ou alors, peut-être pas les textes de Novalis, mais si vous voulez, pour moi, le romantisme, ce romantisme-là, en tout cas, hein, je ne parle pas vraiment de, de Musset, euh, ou même de la poésie d'Hugo, enfin, ce n'est pas ça, quoi. Le romantisme allemand, qui est vraiment euh, extrêmement philosophique, extrêmement profond, euh, théorisé, etc., plein de, presque un système euh, à part entière, c'est la nuit de révélation, c'est cette nuit de feu, c'est cette nuit de vision de, de la littérature européenne pour moi. Mais vraiment. Alors je dirais pas la littérature mondiale, parce que là il faut c'est pas le cas en fait, hein. vraiment là pour le coup non. Mais de la littérature européenne, ça se, ça se tient quoi. Merci beaucoup, Anna. Merci beaucoup, beaucoup. Donc je suis vraiment contente en fait de partager ces textes avec vous parce que je les trouve très très beaux, je les trouve très très inspirants et je trouve qu'ils font énormément de bien. Je ne sais pas si c'est ce que vous ressentez vous aussi, mais moi, je, je trouve qu'ils font énormément de bien. Alors, juste pour vous donner quand même une petite idée. Mais, oh, merci Claire. Mais là, Claire, par contre, c'est beaucoup d'argent. Donc, merci beaucoup. Mais très... Alors, je te remercie vraiment. C'est très, très, très gentil. Mais, vraiment, je vous encourage, si vous le voulez, à faire des dons. C'est très gentil et je ne vous cache pas que... C'est important. mais honnêtement, ne, ne vous sentez pas obligé de faire des dons importants quoi. Je veux mettre personne dans un embarras quelconque. Donc merci beaucoup. Ah, on est d'accord, la beauté des textes fait un bien fou. C'est hyper inspirant. Euh, merci Laura, merci beaucoup, Vous êtes vraiment gentille et gentil. Merci, avec cette poire euh, athlétique. Euh, alors Kazumi, j'en ai parlé un petit peu au début, mais il n'y a aucun problème. Il euh, y a les frères Schlegel, il y a Schelling, il y a Schiller, il y a Goethe quand même, pour euh, tout ce qui est un petit peu euh, pré-romantisme. Et ça, c'est quand même les noms importants, en tout cas si tu cherches des noms qui se rapprochent de Novalis. Je vais quand même vous lire un tout petit peu de la traduction de Armel Gern pour cette hymne numéro 3. Ouais, je suis d'accord, Lou, c'est doux, en fait. Ça protège du monde. Un jour que je versais amèrement des larmes, que défaite en douleur, mon espérance allait s'évanouir, et j'étais solitaire, debout près de ce tertre aride qui, dans son lieu obscur et resserré, détenait l'être de ma vie. Solitaire comme aucun solitaire n'avait jamais été. Vous voyez à quel point la traduction, elle est différente, elle est très, 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 très étoffée. Hein. Oppressée d'une angoisse indicible, à bout de force, plus rien qu'un souffle de détresse. Comme alors je quaisais des yeux quelques secours, ne pouvant avancer ni reculer non plus, un immense regret me retenait à la vie qui fuyait, s'éteignait. Alors, du fond des bleus lointains, de ces hauteurs de ma félicité ancienne, vint un frisson crépusculaire. Et par un coup se rompit le lien natal, la chaîne de la lumière. Loin s'est enfuie la terrestre splendeur, et avec elle, ma désolation. Le flot de mélancolie est allé se résoudre en un nouveau, un insondable monde. Ô nocturne enthousiasme, toi, le sommeil du ciel, tu m'emportas. Le site s'enlevait doucement en hauteur, et sur le paysage flottait mon esprit libéré de ses liens, né à nouveau. Euh, J'ai l'impression que d'ailleurs, euh, Armel Gern aime beaucoup les inversions du sujet, quoi. Bon, moi aussi, hein, donc c'est pas du tout. Euh... Le théâtre n'était plus qu'un nuage de poussière que transperçait mon regard pour contempler la radieuse transfiguration de la bien-aimée. L'éternité reposait en ses yeux, j'étreignis ses mains, et ce fut un étincellement, un indéfectible lien que nous firent les larmes. Vous voyez à quel point c'est différent quand même C'est ouais, hyper intéressant, je suis d'accord d'abolite à la traduction. Les millénaires passaient au loin comme un orage. Et ce furent des larmes d'extase que je versais sur son épaule au seuil de la vie nouvelle. Par contre, là, j'avoue que j'aime bien cette formule au seuil de la vie nouvelle. Je trouve qu'elle correspond aussi à la philosophie de Noëlis. Ce fut là le premier, l'unique rêve. Et depuis lors, à jamais, je sens en moi une foi éternelle, immuable, en le ciel de la nuit et sa lumière, la bien-aimée. Ben, C'est ça qui est difficile, Laura. Très franchement, si vous lisez allemand, si vous lisez l'allemand, si les textes allemands sont gratuits et accessibles. Donc vous pouvez euh, vous y plonger. Bon, par exemple, vous voyez l'hymne numéro 3, il est comme ça. Euh, je pense que si vous lisez allemand, prenez un ou deux hymnes, essayez de voir ce qui vous semble être le plus proche. Euh, C'était où les différences importantes vers la fin c'était relativement traduit pareil mais de... alors par exemple si on prend euh, les inversions du sujet de Gern, la dame Elgern, là en fait c'est pas si choquant que ça dans le sens où l'allemand déjà a une structure qui est différente de la nôtre par exemple donc L'ordre, par exemple, des sujets, des verbes, pour moi, c'est pas euh, vraiment ce qui vient jouer ici sur la traduction. Par contre, quand on regarde le texte de Novalis, il euh, n'y a pas, je trouve, pour moi, hein, dites-moi les germanophones vraiment si vous êtes d'accord ou pas, je trouve qu'il n'y a pas ce côté très précieux, ce côté très étoffé, euh, ce côté... Euh, avec ses virgules, ses précisions euh, solitaires, comme j'ai. comme Enfin, il n'y a pas tout ça, j'ai l'impression. Mais en même temps, elle est aussi très, très agréable à l'oreille. Et est-ce que pour un germanophone, l'écriture de Novalis euh, n'est pas agréable comme ça à l'oreille Je ne sais pas, par exemple, vous voyez. Donc, ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte, parce qu'en fait, dans la traduction, il y a aussi l'effet produit. Est-ce qu'on reste plus proche, mais que l'effet pour nous est différent de l'effet pour le natif Ou est-ce qu'au contraire, on essaye de produire un effet semblable, mais où, dans ce cas-là, euh, on, on s'éloigne un petit peu du côté euh, littéral, quoi La fin, j'ai l'impression qu'elle est traduite assez de façon assez similaire chez les trois. Hein, par contre, c'est vrai. Et d'ailleurs, si on regarde très rapidement, je ne sais pas si je l'ai mis, oui, par Xavier Marmier... Ce fut là mon premier rêve et depuis j'ai senti dans mon cœur une foi constante et inaltérable au ciel de nuit et à ma bien-aimée qui en est la lumière. Ouais, là c'est déjà, déjà assez différent aussi quand même. Hein. Les siècles s'en allèrent au loin comme un orage. Vous voyez il y a aussi une différence au niveau du temps. Euh, ici on a des millénaires passèrent au loin s'éloignant comme des orages. Ouais. Bah par exemple Gern, il a choisi euh, l'imparfait. Et ici, ⁇ Yardthousandde, Zogen, Abvert, Indiferne, Viunge, Viteur. Là, je saurais même pas trop dire, est-ce qu'on est plus proche de l'imparfait ou pas C'est une question extrêmement intéressante, de toute manière, ça, on est bien d'accord. Alors... Ah, où j'en suis. Ok. Donc, je vous ai quand même sélectionné euh, deux petits extraits là du monde ouais prétérite. Ok, bah... C'est pour ça, en fait, je pense, honnêtement, hein, <laughs> euh, vu que il y a le premier recueil qui est d'occasion et qui est donc peu cher. Et ce recueil-là que vous pouvez aussi sans doute trouver d'occasion. Si vraiment, voilà, vous n'avez pas entre guillemets de problème de budget et que vous avez... Et puis les hymnes sont courts, hein, donc ça se lit vite, quoi, je veux dire. Et si vous avez vraiment envie d'avoir le... d'être au plus proche, peut-être que je dirais tout simplement de lire les deux. Voyez Et de faire un croisement. Voilà, de faire croiser les deux traductions. Je pense que c'est peut-être la... la meilleure des choses à faire. Donc là, je vous avais sélectionné, on finira avec ça quasiment... Euh, deux extraits de, de ceci-là. Le monde doit être romantisé. Donc, le premier, je vous l'ai coupé, mais je vous lirai après en, en entier pour que vous voyez à quel point c'est proche de la philo, un petit peu, je trouve, dans la formulation. Le monde doit être romantisé. C'est ainsi que l'on retrouvera le sens originel. Vous voyez, quand je vous parlais un petit peu du sens de, du primitif, de l'archaïque qui est revalorisé par le, par le romantisme, là, on, y est, on, on en est. Euh, quand même assez proche aussi. Romantiser n'est rien d'autre qu'une potentialisation qualitative. Le soin inférieur en cette opération est identifié à un soin meilleur. Nous sommes nous-mêmes une telle série de puissances quali qualitatives. Alors là, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on sent qu'on est, est déjà dans, dans, dans un autre registre. Euh, Novalis pensait et a écrit, si vous voulez, que nous étions euh, tous et toutes porteurs de germes divins. Et que nous étions aussi reliés par cette, par cette caractéristique, du coup, presque divine. Que nous avions le potentiel, en fait, c'est ce qu'il appelle la potentialisation qualitative, de devenir meilleur, de, 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 de renaître, d'accord, et de se rapprocher de l'absolu, et donc aussi de l'âge d'or. Et quand il nous parle donc. De cette romantisation du monde, il nous dit, en gros, ce n'est rien d'autre, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de, de profondément euh, complexe ou absolument abstrait ou qui nécessite même, en fait, forcément le recours à l'écriture. Ou... Non, c'est la potentialisation qualitative, c'est-à-dire de prendre conscience des potentiels qui nous entourent et des potentiels que nous recelons et de les exploiter et de gagner donc en qualité. Voilà. Le soin inférieur que nous avons en nous, à partir de ce processus de potentialisation qualitative, euh, on est d'accord, euh, Raph, c'est vrai que c'est aussi religieux comme vocabulaire, tu as raison. Hein. Le soin inférieur, à travers du coup, cette, ce processus, va être identifié à un soi supérieur ou un soi meilleur va donc potentiellement mourir pour justement devenir ce soi meilleur. C'est pour ça qu'il nous dit une telle série de puissances qualitatives. C'est-à-dire que c'est aussi un cycle. Et un cycle de mort et de renaissance. Et là, je ne sais pas si vous le sentez, mais en fait, on est proche de la sublimation. Il ne faut pas oublier non plus l'héritage de Kant, quand même. Alors, euh, je ne suis pas du tout calée en philo. Donc, je ne vais pas du tout m'avancer sur ce terrain-là. Mais euh, on ne peut pas quand même parler de Novalis, parler de ses extraits sans mentionner l'héritage de la pensée de Kant. C'est impossible et notamment du jugement esthétique et du sublime. C'est fondateur. Ça c'est ah, j'ai cru qu'il y avait un énorme insecte sur ma vie là. Ça c'est fondateur. Et le deuxième extrait que je vous ai choisi, c'était pour un petit peu préciser ce qu'on avait vu ensemble sur euh, du coup, les mutations, les transformations et sur cette idée de renaissance. La vie est le début de la mort. La vie n'existe qu'en fonction de la mort. La mort est achèvement et commencement à la fois. Séparation et union plus étroite avec soi mort. Donc là, vous voyez que c'est assez, euh, assez clair. La vie est le début de la mort, bon, euh, nous sommes, euh, à partir du moment où nous vivons, nous commençons à mourir, nous nous préparons à mourir. La vie, elle n'existe qu'à partir du moment où il y a la mort, bon, ça c'est le pendant, c est, c est, ça, ça va. La mort est achèvement et commencement à la fois, bon, oui. Séparation et union plus étroite avec soi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'on meurt, on se sépare effectivement de soi, ou du soi... Alors, là, on parle, aussi, on parle bien évidemment de la mort euh, au sens de, par exemple, ce... Pas de la mort physique, hein. en tout cas pas que et pas principalement, bien évidemment. Il y a une séparation. Une partie de nous meurt, une version de nous meurt, voilà, donc nous nous en séparons. Mais en nous séparant de cette vision-là, de cette version-là, de ce modèle-là, j'ai envie de dire, de, de, de nous-mêmes, on est dans une union plus étroite avec nous-mêmes parce qu'on se connaît mieux et parce qu'on se dirige de plus en plus et qu'on se rapproche de plus en plus vers le soi. Meilleur ou le soi supérieur dont il nous parlait. Je ne sais pas si c'est très très clair. Voilà. Donc, je vais quand même vous lire pour vous donner une idée un petit peu. Le premier là, celui-ci. Hop là, en entier, parce que je voulais couper. Le monde doit être romantisé. C'est ainsi que l'on retrouvera le sens originel. Romantiser n'est rien d'autre qu'une potentialisation qualitative. Le soi inférieur en cette opération est identifié à un soi meilleur. Nous sommes nous-mêmes une telle série de puissances qualitatives. Cette opération est encore totalement inconnue. Lorsque je donne à l'ordinaire un sens élevé, au commun un aspect mystérieux, au connu la dignité de l'inconnu, au fini l'apparence de l'infini, alors je les romantise. L'opération s'inverse pour le plus haut, l'inconnu, le mystique, l'infini. Elle est logarithmisée par cette liaison. Elle reçoit une expression courante, philosophie romantique, lingua romana, alternance d'élévation et d'abaissement. Donc je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'on est quand même euh, sur une autre forme d'expression, sur une autre écriture, euh, et sur quelque chose qui est quand même plus euh, hermétique, en tout cas, euh, au niveau de la compréhension. C'est quand même moins immédiat et beaucoup moins sensoriel et sensuel que l'écriture euh, poétique de, de Novalis. Mais, mais c'est vraiment beau quand même. Il y, a, il y a des choses très très belles. Euh... Enfin, il y aurait beaucoup d'autres choses que je pourrais partager avec vous, mais euh... par exemple, le poète authentique est omniscient. Il est un vrai monde en petit. Bon, par exemple, c'est quand même c'est quand même beau. Le magicien est poète, le prophète est au magicien, ce que l'homme de goût est au poète. Bon, il y a beaucoup de choses. Alors, attendez oh, je vous ai totalement perdu Ouh là là. Décidément la frontière entre philosophie et poésie est très fine, voire inexistante avec les Allemands comme les présocratiques avant que Platon sépare vers Philo. Mmh, on est d'accord. Alors, pour finir, je vous ai sélectionné deux petits extraits pour vous montrer l'héritage, peut-être conscient, peut-être inconscient, ça je ne pourrais pas vous dire. Euh, sur la poésie qui suit, je vous ai sélectionné un extrait de Chateaubriand et puis un extrait d'Anna de Noailles. Alors, pour Chateaubriand, on est sur euh... Une époque contemporaine, du coup, à Novalis, globalement. Donc, Chateaubriand était vraisemblablement très au courant de ce qui se passait de l'autre côté de la frontière. Anna de Noailles en est bien évidemment euh, postérieure, n'est-ce pas Mais Anna de Noailles, euh, d'ailleurs, est quand même très très proche, je trouve, euh, de ce romantisme allemand. Par les thèmes qu'elle affectionne et qu'elle présente très souvent dans sa poésie. Donc, je vous ai coupé le poème Nuit de printemps euh, de Chateaubriand, parce qu'il est très long. Voilà. Mais quoi, déjà belle nuit, je te perds Parmi les cieux à l'aurore entr'ouvert, Phébé n'a plus que des clartés mourantes, et le zéphyr, en rasant le verger, de l'Orient, avec un bruit léger, se vient poser sur ses tiges tremblantes. Donc là, vous voyez ce qui est assez euh, commun, bien évidemment, c'est la louange à la nuit. Sachant que, juste pour vous donner une idée, le hymne numéro 2 commence par C'était le plus facile à lire en allemand, puis j'aurais peut-être dû le sélectionner. Faut-il toujours que le matin revienne L'empire de ce monde ne prend-il jamais fin Une fatale activité engloutit les élans divins de la nuit qui s'approche. Ne va-t-il donc jamais le sacrifice occulte de l'amour éternellement brûlé Voilà. Donc il y a cette louange de la nuit, puis cette complainte quand même. Pourquoi est-ce que le jour revient sans cesse Et là, c'est exactement ce que Chateaubriand nous dit. Mais quoi, déjà, belle nuit, je te perds Et puis après, il nous décrit cette arrivée du matin avec le avec peine. Parmi les cieux à l'aurore entr'ouverte, bon, ça c'est quand même très beau, Phébé. Alors Phébé, c'est la lune. Globalement, enfin, c'est une figure mythologique, fille de je ne sais plus qui qui est associée à la Lune. Phébé n'a plus que des clartés mourantes, et le zéphyr, en rasant le verger de l'Orient, donc l'Orient, bien évidemment, l'Est, le soleil qui se lève, d'accord, avec un bruit léger, se vient poser sur cette tige tremblante. Donc, c'est hyper beau hein, quand même, parce qu'il y a une fusion. Bien évidemment, déjà, il y a entre... les cieux à l'aurent rentrouvert. Il y a encore cette idée presque de fusion des mondes, hein, presque d'un portail qui s'ouvre. Phébé, elle n'a plus que des clartés mourantes, elle n'est pas encore disparue, on est dans cet entre-deux. Et puis, ce qui est beau aussi, c'est que c'est l'idée du zéphyr qui apporte le soleil. Je trouve que c'est très, très beau. Et dernier texte qu'on verra ensemble un extrait, encore une fois, d'un poème qui s'appelle À la nuit, issu du recueil Le cœur innombrable, publié en 1901 par Anna de Noailles. Vous allez voir qu'on y retrouve. Alors, j'aurais pu sélectionner davantage de ce poème parce que pour le coup, il y a de grandes similitudes. J'aurais peut-être dû le faire d'ailleurs, mais bon, bref. Regarde, nuit dont l'œil argente les cailloux, ce cœur phosphorescent dont la vive brûlure éclairerait, ainsi que les yeux des hiboux, l'heure sans clair de lune où l'ombre n'est pas sûre. Alors, je sais pas si vous voyez à quel point c'est proche, quand même, des thèmes, de, de la manière d'écrire, même de Novalis. On a cette personnification de la nuit, on a cette nuit qui regarde. On a cette nuit qui est bienveillante d'ailleurs, ça c'est dans les strophes que je n'ai pas sélectionné mais bon, croyez-moi sur parole, ou ne me croyez pas sur parole et allez lire le poème après si vous le voulez, mais on a une nuit qui est bienveillante aussi euh, chez Anna de Noailles. Et puis on a quand même, alors l'œil c'est la nuit, on comprend, mais bon, peu importe, il y a quand même ce, ce rappel à la vision, la, la, la nuit qui argente les cailloux. Souvenez-vous, hein, le premier hymne quand même de, de Novalis le minéral qui l'absorbe ou qui en est imbibé, je ne sais plus ce que c'était exactement. Hmm. Rilke, oui. Ben, Rilke, en plus, est, dans un sens comme Novalis, je trouve, euh, très... Euh, quand tu lis Rilke, c'est comme quand tu lis Novalis, dans le sens où ça te fait du bien, ça te protège du monde, et c'est presque hein, une lecture spirituelle, quoi pour le coup. Donc effectivement, il y a, il y a aussi quelque chose mais oui, Nabolita, je suis d'accord, les liens entre les textes comme ça, c'est fascinant, alors franchement avec Anna de Noailles, il y aurait vraiment à creuser j'avoue que je la connais, je ne connais pas trop sa vie, ni ses influences, donc peut-être que c'est déjà extrêmement balisé, extrêmement recherché mais je pense qu'elle a dû lire et relire les, les, les romantiques allemands, c'est impossible ou alors c'est vraiment très surprenant, parce que pour avoir lu du coup sa poésie, Anna de Noailles elle est vraiment dans l'émotion la... enfin, dans, dans l'intériorité déco... et dans la description de la nature, mais vraiment dans ce lien justement entre nature et, et individualité entre nature et vie, etc. Il y a, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Voilà. Paf. Donc, écoutez, ce temps du live, euh, ce temps, du, voilà, vous sentez la fatigue ou pas Ce temps du texte s'achève. Euh, J'ai été très contente de le faire avec vous. J'ai été très contente de pouvoir partager ces textes que je trouve extrêmement beaux, extrêmement. Euh, euh, comment on dit Healing. Euh, pap, 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 vous avez compris Il fait beaucoup de bien. Nous sommes les abeilles de l'univers. Nous butinons éperdument le miel du visible pour l'accumuler dans la grande ruche d'or de l'invisible. Ah ouais, effectivement, Rilke, c'est clair. Anna de Noailles, c'est un peu la poétesse romantique après le romantisme oui. et plus ça va plus je me sens un peu coupable parce qu'Anna de Noailles je l'avais lu il y a des années euh, dans le cadre du programme du dans le cadre du club de lecture et j'avais pas aimé. Franchement, j'avais vraiment pas aimé mais euh, je l'ai refeuilleté il y a pas longtemps le recueil et je me suis dit mais bizarre en fait pourquoi j'ai pas aimé à l'époque et là plus je la je la rencontre en fait, vous savez, c'est vraiment les hasards littéraires un petit peu. Je la rencontre et je me dis c'est bizarre que j'ai pas aimé. Donc on va la relire et puis on reviendra peut-être. En tout cas, voilà, j'étais vraiment contente de faire ce temps du texte avec vous. Je vous remercie pour votre présence, je vous remercie pour vos, vos messages. Franchement, merci beaucoup. Je vous remercie bien évidemment énormément pour les dons. Euh, vraiment, merci mille fois. Euh, bon, comme vous l'avez vu si vous me suivez sur Instagram hier, je n'arrive plus vraiment à assurer les temps du texte euh, hebdomadairement. C'est vraiment trop prenant là avec un travail. Euh, avec mon travail, euh, voilà, et toutes les autres choses que je veux faire à côté. Euh, et puis je me rends bien compte aussi, j'ai bien pris en compte vos retours, euh, je me rends compte aussi donc, comme je vous le disais, que euh, bah, hebdomadairement c'est aussi un rythme soutenu pour vous et que même si voilà, on a beau toutes et tous, je pense, si on est là, aimer ces moments de temps du texte, c'est pas facile de consacrer en fait euh, bah, du temps chaque semaine à cet événement-là. Euh, notamment quand on travaille, quand on est étudiant ou étudiante. Merci Céline, merci beaucoup, vraiment, <laughs> merci avec la poire. Donc j'ai bien pris en compte vos avis, j'ai bien pris en compte vos suggestions, je comprends en fait que euh, c'est pas euh, le rythme qui convient le mieux, en fait, tout simplement. Et donc je vais prendre un mois off, je vous l'annonce, euh, pour y réfléchir, et pour revenir avec un autre rythme, à savoir que je ne suis pas encore décidée. Est-ce que ce sera une fois par mois, deux fois par mois Est-ce que ce sera en fonction des vacances scolaires et euh, de la reprise scolaire Voilà, je ne sais pas. Je reviendrai bien évidemment vers vous. Il y aura toujours euh, des lives spontanés sur Instagram et des lives plus littéraires sur Instagram. Il y aura toujours les lives avec Nabolita pour Lisons les rougon Macquart. Il y aura des vidéos, du coup, je pense, plus fréquemment sur la chaîne. Je ne disparais pas du tout, mais je prends un peu de temps et euh, j'essaye de revenir avec une formule qui nous convient mieux et qui vous permet bah, d'être plus présent et présente, euh, de faire d'autres choses aussi de votre côté. Et puis euh, on m'a aussi dit que voilà, si c'était toutes les semaines, la question des dons se posait aussi. Donc j'ai bien pris en compte tout ce que vous m'avez dit et euh, et voilà, je pense qu'on on va ralentir et que ça nous permettra de savourer davantage, chacun et chacune. Voilà. Mais j'ai été super... Merci Saphir Cléo, merci beaucoup, vraiment. Mais j'ai été super contente en tout cas euh, de faire ces temps du texte avec vous. Là, on en est quand même au 14e temps du texte, donc ça a fait quand même 14 semaines. Je suis euh, assez euh, contente de ça. Je me dis que c'est vraiment positif et je suis hyper touchée que vous ayez pour beaucoup été là euh, ces 14 semaines que ce soit en présence, en, en live ou en replay euh, 14 c'est un nombre qui est plutôt pas mal voilà, je sais pas ce que vous en pensez je suis contente aussi qu'on finisse un petit peu cette période sur Il que j'espère, euh, sur Il que n'importe quoi sur Novalis, j'espère avoir transmis des, de bonnes ondes et peut-être vous avoir procuré un nouveau livre de chevet en quelque sorte euh, avec cette, euh, ce dernier temps du texte, alors c'est pas le dernier du tout euh, pour toujours, hein, voilà mais euh, je pense que pendant un petit mois il n'y en aura plus, voilà, c'est tout, c'est pas grave du tout, je serai toujours là, euh, et puis à bah, bientôt, ce seront les vacances euh, d'octobre, euh, et, euh, et je reviendrai sûrement à ce moment-là. Voilà, et merci Farid, effectivement, euh, n'oubliez pas, sur mes lives ou sur les lives d'autres personnes, je sais que vous êtes là et que vous commentez, et vous êtes en direct, et c'est génial, sinon ce serait vraiment un live triste où je ne parlerai qu'à moi-même. Mais là, ces commentaires-là ne sont pas pris en compte en fait euh, pour le référencement, etc. Donc n'hésitez pas à commenter euh, les lives quand vous les regardez, même si vous avez participé durant les lives. Ça fait toujours plaisir aux personnes bah, qui, ont, qui ont animé ces lives. Voilà. Que ce soit les miens, que ce soit ceux de Nabolita, que ce soit ceux de l'entracte culturel sur Instagram. Bref, voilà. Euh... Bon, bah je vous remercie. Ça fait un peu bizarre de se quitter. On dirait vraiment qu'on se quitte pour toujours, alors qu'en en fait, dans trois jours, je serai sans doute sur Instagram en train de faire un live. Mais bref, peu importe. Bah, je vous remercie d'avoir été là. N'hésitez pas à lire Novalis, valises, n'hésitez pas à lire de la poésie. Et puis, bah, je vous retrouve très très prochainement pour d'autres contenus et un petit peu moins très prochainement, on va dire, pour un temps du texte. Voilà, merci à toutes et à tous. Bye bye.